vous allez bien. Je vous retrouve avec une toute nouvelle vidéo, une nouvelle caméra plutôt, exprès pour les vlogs. Je vous ai montré sur Instagram, j'ai partagé ça avec vous. J'avais envie d'investir dans une petite caméra, vraiment toute petite, toute petite. Vous allez voir, elle est trop canon, je vous montrerai la boîte après. Et parfait pour emmener en voyage. Et elle suit logiquement quand je bouge et tout. Donc j'espère que je vais réussir à bien dompter la bête et que la qualité sera beaucoup mieux que d'habitude. Et que ça sera même plus net. Hein. On va essayer de faire ça. On va voir. Vous me direz de toute façon dans les commentaires. Hein, je vous attends pour me dire si c'est mieux, si c'est net, si c'est... Le son est correct, même s'il y a sûrement un petit peu des bruits de voiture et tout. Mais en tout cas, dans ce vlog, on se retrouve donc pour un petit vlog partage de vie. Deux jours à Paris, puisqu'aujourd'hui je pars à Paris voir mon papounet. Je suis avec mon petit frère et on va faire demain avec Laetitia, ma copine Laetitia, vous savez. On va faire le KED à Paris. Donc bah, j'avais envie de vlogger ça avec vous. Comme ça, je vais pouvoir vlogger sans problème avec cette nouvelle caméra toute petite, trop mignonne. Let's go! Voici tous les petits cadeaux. J'ai eu énormément de cadeaux de fin d'année par mes élèves. C'était vraiment trop trop adorable. Et voici la petite caméra dont je vous parle. Donc c'est celle-ci, c'est la fameuse DJI Pocket 2. Donc c'est celle que j'ai dans les mains avec laquelle je suis en train de filmer. Il y a un tout petit retour écran. Donc là je vous montre évidemment que la boîte. Hein. Je l'ai acheté à Boulanger avec 90€ de réduction puisque ma copine Laetitia, elle est maîtresse de la maternelle, s'était cotisée pour m'offrir une enceinte Bluetooth. Mais mon AED me l'avait déjà offerte en version petite pour mes remplacements. D'ailleurs, c'est ici et je suis trop trop fan. Elle m'a offert celle-ci. Donc c'est trop trop bien, un tout petit format parfait pour emmener pendant mes futures missions de remplacement. Elle m'a offert un petit bracelet avec une petite lettre qui m'a fait chialer, vraiment. Bah bref, et du coup grâce au cadeau de mes copines maîtresses de maternelle, eh bien j'ai pu investir enfin dans cette petite caméra qui me donnait vraiment très envie ces derniers temps. J'ai eu un petit bouquet de fleurs aussi, trop craquant, et alors j'ai eu un citronnier. Avec cette petite statue là, trop mignonne, et un citronnier pour le citron vert. Voici le petit citron vert, donc trop trop trop. Ça c'est une super idée de cadeau, parce que c'est vraiment très original, c'est la première fois qu'on m'offre un citronnier pour chez moi, donc il n'y a plus qu'à lui trouver une petite place dans mon jardin. Aujourd'hui,
Aujourd'hui est un jour particulier, c'est le 5e anniversaire du CAD. Il y a 5 ans, on a eu cette idée folle de créer cet événement. Et quand on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui, honnêtement, c'est surréaliste. Je tiens à préciser que ces changements ne concerneront que les professeurs de l'éducation nationale. Professeurs que nous allons identifier grâce à leur adresse email académique. Est attribué à Mimi Flexi. La médaille d'argent a été remportée par Teacher Pirouette. Bravo, Marie. Mais attention, la médaille d'or a été remportée par MC en Michael Lane. Allez, encore deux, ça fait un pique-nique en voiture pour aller à la mer. Il n'oublie pas, c'est sûr, son sandwich au bruyère. Il appelle un taxi quand il est fatigué pour voyager la nuit en pyjama zébré. Tu veux parce que je suis au cycle 3, mais je pense que ça s'adapte très facilement au cycle 2, sans problème. Donc, je vais commencer par pourquoi j'ai décidé de faire ces routines-là. Donc, je pratiquais des rituels chaque matin dans la classe, mais plutôt en collectif. Mais ça ne me convenait plus vraiment, parce que certains élèves n'arrivaient pas à terminer les rituels que je proposais, d'autres terminé très très vite, et en plus on devait prendre du temps pour les corriger ensuite, donc j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me convenait vraiment. Et avec ma collègue de cycle 3 avec qui je travaille beaucoup, on s'est dit qu'on allait essayer de changer, et puis nous avons vu le fonctionnement de Maître Fafa ici présent, on peut l'applaudir. Et on s'est dit qu'on allait essayer de fonctionner un petit peu comme lui et qu'on allait l'adapter évidemment à notre classe. Après, ils devront faire la même activité. Donc ça favorise cette fois-ci la coopération où là, ils doivent travailler ensemble, vraiment échanger. Et c'est pas juste de la collaboration. Par exemple, quand vous les mettez sur un jeu de société en classe, ils ne coopèrent pas, ils collaborent. Il n'y a pas de coopération là. Donc là, on en revient à ce qu'on a dit, c'est-à-dire que le bruit de travail... ça peut tout à fait s'entendre en fait, et c'est pas gênant. Si à un moment donné dans la classe le volume sonore monte, si vous entendez en fait que les élèves sont en conflit socio-cognitif, qu'ils sont dans les échanges, que vous avez de la collaboration ou de la coopération, ou les deux qui vont s'enchaîner, et ben là vous êtes dans du bruit de travail. C'est ok en fait, c'est pas grave d'avoir du bruit dans sa classe à ce moment-là. Des grèves.
Alors que, à contrario, d'autres enseignants vont montrer pour rien. On est de retour à Paris, de Paris plutôt. On est dans le 9-3, bébé. On a retrouvé mon papounet. Alors, cette journée au Ken ? C'était très sympa. On a revu des copines maîtresses, c'était trop cool. Ouais, on avait pas mal de maîtresses instagrammeuses. Oui. Et c'était cool. Mais Laetitia, elle a trouvé que c'était moins bien que l'année dernière. Moi, j'étais pas restée l'année dernière toute la journée, donc... Ouais, je sais pas, il y avait peut-être l'attrait de la nouveauté de l'année dernière. Ouais, c'était la première fois, donc... Puis là, il y avait beaucoup plus de monde aussi. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup, vrai. Beaucoup plus de monde. Et on était moins attirés par les stands. On avait un peu la flemme, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai fait aucun. Ouais. Par contre, j'ai fait plus de colloques. Ouais, Donc, c'est... Alors, pour ceux qui connaissent pas le KED, c'est une sorte de... Colloque d'enseignants. Il fallait s'inscrire avec son adresse d'enseignant, donc il n'y avait pas moyen qu'il y ait quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Et c'est organisé par Classy. Ouais. Classroom, pour ceux qui connaissent. Du coup, on s'était assortis, vous avez vu, histoire qu'on nous reconnaisse. Qu'on passe discrètement. Ouais, grave. Et c'était intéressant. On a vu, alors en conférence, on a vu Mimi Flexi avec Audi Maîtresse. Ouais, Mimi Flexi. On a vu MC Maternelle. Oui, qui a présenté son livre sur la phonologie. Balance pour la balance. Ouais. C'était plutôt marrant c'était d'ailleurs. C'était intéressant, c'était interactif et tout. Ça a changé. C'était original. Sujet délicat par contre. Le racisme, c'était chaud patate pour. Quand même chaud que. Enfin, il a abordé des sujets qu'on n'aurait jamais osé, je pense. Ouais, et il l'a bien fait. Ouais. Il l'a bien fait. Et très interactif en même temps, heureusement qu'il a fait interactif, je crois. Oui. Sinon, ça faisait 2 heures de leçon, comme tu disais. Ouais. Donc. Et on a vu quelqu'un d'autre ou pas ? Ah oui, maîtresse Lily LH. Maîtresse Lily LH. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était super intéressant. Mais c'était vraiment super. De toute façon, vous aurez vu quelques images, donc vous savez de quoi on parle. Bon, sur ce, je vais aller voir mon papa, il va vous raconter quelque chose. Papy, il a fait. Attends, est-ce qu'on voit ? Des croque-missiles. Attends, des fois, moi, je suis pas cadré. Ouais, des croque-monsieur, regardez-moi ça. Avec de la. De la. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, papy ? Crème fraîche. De la crème fraîche. Alors, on se retrouve avec Papounet. Et vous avez été nombreuses dans ma dernière vidéo à me dire que vous l'aviez reconnu à la télé. Est-ce que tu veux bien nous raconter pourquoi tu es passé à la télé, papa ? Parce que je livre le matin, je vais à Rungis et je livre des légumes frais pour une boulangerie pour faire les sandwichs. Et à 4h du matin, je suis arrivé et il y avait une vingtaine de jeunes qui avaient décidé de casser la boulangerie où ils travaillaient. Voilà, ils ont cassé la boulangerie, ils étaient en train de se servir. J'ai essayé de les faire sortir, mais... Tu t'es pris une bouteille dans la tête, c'est ça ? Une bouteille en plastique ? Une bouteille en plastique dans la tête. Et très agressive. Et que des jeunes, c'est que des petits jeunes. Donc c'était dans l'actualité. Du coup, t'es passé à BFM, hein, c'était où ? BFN Paris. Donc il est passé. Donc il y en a plein qui l'ont reconnu, qui sont venus me mettre des petits messages sur Instagram, c'était trop marrant. C'était trop marrant. Mais ils ont cassé toutes les boutiques dans la région. Hein. Dans la ville. Ouais. Et très agressive. Ouais. Il est passé dans le journal. Ils ont pillé. Ça va, il a rien eu, hein. Vous voyez, il va bien. Non, tout va bien pour lui. Un peu choqué, je vous avoue. Parce que c'est trop vrai? Ils étaient une dizaine, une quinzaine. T'as pas eu peur quand même? Genre, tu voulais les faire sortir, toi? Dans le feu. Dans l'action, c'est pas tu t'es dit, vas-y, je vais. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Sortez de là. Et après, tu t'es pris une bouteille, là, et du coup, t'es parti? Non, je suis resté jusqu'au bout. Et ils sont partis après? Ils sont partis, et après, la police municipale sont venus, mais bon, ils sont venus en retard. Ouais, c'était de toute façon. Là, ça s'est calmé? Là, ouais. Là, maintenant, ça y est. Voilà la raison pour celles qui ont vu mon papa à la télé. Voilà la raison pour laquelle il a été Ça fait mal au cœur parce que je vais à 5h du à 1h du matin à Rungis pour livrer et voilà, il y a le mec qui casse tout. Ouais. Pour rien. Pour rien. Ah, ça s'est un peu calmé dans le coin. Ouais, dans la région là, ça y est. Tant mieux. Faut pas que ça reprenne. Non, j'espère. Ça va être les vacances, peut-être que ça va se calmer un petit peu. Ouais, mais 14 juillet, on sait jamais. Ouais, c'est vrai. Fais attention, hein, on lui dit, fais attention, arrête de vouloir essayer de défendre. Ah, plus, le propriétaire, il m'a dit, il ne faut pas faire les héros, hein, ça ne sert à rien. Ah oui, non, ça ne sert à rien, imagine, tu aurais pris quelque chose de plus grave qu'une bouteille en plastique. Hein, il m'a dit, ça vaut pas le coup, hein, tu livres et tu... Voilà, il m'a dit qu'il fallait partir, mais bon. Ouais. Mais j'avais pas... Après, des fois, dans le feu de l'action, tu es pas... J'étais un peu vert, j'étais étonné. En plus, il a mis le feu partout, aux voitures, tout, dans la région. Un car qui avait brûlé juste à côté. Ah ouais ? Ouais, un car, putain. C'est chaud. Ouais, c'était chaud. Vous avez fait des barrages partout. Bon, merci papa. Voilà l'interview merci. De papa. Voilà, merci.
retrouve à la maison. Comment ça fait du bien. On est rentré vers 22h hier avec Laetitia, 22h44 même exactement, quasi 23h. Et ça fait un bien fou vraiment. C'était une belle journée. Après, je sais pas si j'y retournerai l'année prochaine, je vous avouerai, parce que même si j'ai rencontré plein de super maîtresses et tout, et que j'ai découvert des conférences et tout ça, j'ai rien appris de spécial. En plus, là, j'étais dans un mood vacances, pensais à d'autres choses. Mais j'ai fait plein de rencontres et c'était cool d'aller à Paris. J'ai vu mon papa et ça, c'est l'essentiel, hein, vous l'avez vu. J'ai reçu un petit colis des Ebla Éditions. Je voulais vous le montrer ici puisque, bah, comme on était sur le Ked et tout ça, bah, ça peut peut-être vous intéresser. Ils n'étaient pas au Ked, Ebla Éditions, mais ils seront à la Team PE du Nord puisque, avec Laetitia, on organise toujours la Team PE du Nord qui sera le 26 août, comme d'hab. Je vous mets le lien pour s'inscrire dans la barre d'infos. Vous pouvez venir de où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être du Nord parce que hier, il y en a qui nous ont posé la question. En nous disant, oui, mais moi, je suis pas du Nord, est-ce que je peux venir? Bah oui, évidemment, vous pouvez venir. Ça se passe dans le Nord, donc on appelle ça la Team PE du Nord. Mais après, vous pouvez venir d'où vous voulez. Vraiment, nos problèmes. Donc, soyez les bienvenus si vous avez envie de venir. Je vous mets le lien d'inscription en bas, comme ça, vous pourrez avoir après le mail qui va vous permettre de vous organiser pour venir, etc., avec les adresses et tout. Et on est en train de contacter avec Laetitia les marques partenaires qui vont pouvoir être là. Nous, on fera des animations. C'est ce qui manquait au Ked, je trouve. Il n'y avait pas d'animation particulière. D'ailleurs, ça manquait de boissons aussi. Un stand avec des boissons fraîches et tout, ça aurait été cool parce que vraiment, on meurt de soif là-bas. Et ça manquait de petites animations. Enfin, c'est pas du tout comme nous, la Team PE du Nord. Eux, ça fait plus professionnel, mais moins amusant du coup. Enfin, je sais pas si vous voyez le genre. Bref, j'ai reçu de la part d'Ebla Éditions leur nouveau calendrier comme ça. Les petits calendriers 2023-2024, un calendrier collectif que vous pouvez utiliser dans vos classes. J'ai vu Delphes École, Delphine, qui en avait parlé. Donc regardez à chaque fois, hop, dans le calendrier, par exemple, de septembre, on a une espèce de jeu de loi, là, comme ça. C'est trop sympa. C'est assez ludique, avec des petites présentations un peu cool. Toujours en lien avec le mois, hein, évidemment. Donc écoutez, j'ai regardé ça de plus près. C'est assez bien présenté. J'ai vu ça sur leur Instagram, mais c'est vrai que j'avais pas trop... Ah, mais il y a la version à colorier. Mais c'est trop fort. J'avais pas fait attention, ça aussi. Donc là, calendrier individuel à colorier. Ça, c'est bien. Ça va me servir pour mes remplacements. Moi, je vous le dis. Hein. Hop, je vous montre. Donc là, donc logiquement, c'est individuel. Donc chaque élève a ça. Hein. Et c'est à colorier. Donc... vous pouvez du coup leur faire colorier chaque jour, une feuille d'automne à chaque fois. Ouais, c'est cool. Il y a des trucs trop sympas. Et à chaque fois, il y a le petit arbre en fait selon la saison. Donc là, le printemps par exemple, et il y a le calendrier à côté. Et avec différents styles de présentation, comme ça, bah, ça leur permet de travailler les différentes présentations, pouvoir se repérer dans un calendrier. C'est super intéressant. Et à la fin, vous avez des sortes d'étiquettes comme ça. Ça va me servir là. Pour mon année de remplacement, ça va me servir. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que j'étais inspectée. Bon, je le savais que j'allais être inspectée. Je m'en doutais un peu parce que je suis éligible à l'inspection. Donc, je savais que j'allais être inspectée. Mais j'ai reçu mon mail hier pendant la journée du Ked. Ouais, et j'ai reçu ce petit livre-là. Et je suis trop contente. Et hop, dans ma cagette en version printemps. Il est trop, trop canon. On l'a fait gagner à la rencontre Team PE du Sud. Et honnêtement, j'avais trop, 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 trop hâte de le recevoir et de pouvoir le lire avec mes enfants et tout parce que il permet de travailler les positionnements sous la table, sur la table et tout ça. Et ça permet de travailler aussi les fruits et légumes du printemps, du jardin, proposer aussi pour ceux qui font du jardinage à la maison, voilà, avoir un lien entre la lecture et ce qu'on fait même en classe. C'est trop cool. Et le dernier, c'est aussi une nouveauté de la édition. Hop, est-ce que tout est sorti? Ouais, j'ai tout sorti du sac. Le dernier, c'est l'abécédaire tout à l'envers. Et ça aussi, ça va être trop cool parce que mon fils, là, il passe en moyenne section. Et ça va pouvoir l'aider. Je le connais pas trop celui-ci, mais on l'a fait aussi gagner à la Team PE du Sud. Le voici, ça se présente comme ça. Peut-être qu'on les fera gagner à la Team PE du Nord aussi. Hein, vraiment, on va voir avec Ebla Édition. Mais en tout cas, logiquement, ils seront dans le coin. Et ils seront toujours nos partenaires. Donc ça, c'est trop, trop cool. Voilà pour mon colis. Voilà pour la conclusion de cette vidéo vlog. J'espère que ça vous aura plu. Qu'avec cette nouvelle caméra, ça aurait été sympa. Honnêtement, vous me direz. J'ai pas encore l'habitude de m'en servir. J'ai pas encore l'habitude de faire des plans et tout sympa. Mais voilà, on se retrouve du coup dans un prochain vlog, cette fois-ci direction le Canada. Et ça, j'ai trop hâte de vous faire découvrir plein de choses là-bas. Et évidemment, entre-temps, il y aura des petites vidéos favoris, des petites choses que j'aurai tournées
en plus. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, de découvrir un petit peu l'univers des maîtresses, l'univers du KED. Je vous remettrai dans les commentaires, enfin dans la barre d'infos, toutes les maîtresses que j'ai croisées. Si j'ai mis des petites photos ou quoi, ou en tout cas les interventions que vous aurez vues, je vous mettrai leur pseudo si ça vous intéresse d'aller les découvrir sur Instagram. Le KED joue beaucoup sur le côté Instagram, sur le côté maîtresse connue, mais c'est quand même un truc intéressant à faire au moins une fois. Comme je vous ai dit, j'y retournerai peut-être pas, mais c'est à faire, je trouve. C'est cool quand même de rencontrer plein de maîtresses avec qui on papote, en fait. Et on est assez timide, des fois, c'est très rigolo. Mais bref, tout ça pour vous dire, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Salut, salut.